Bienvenue dans les potes d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalanon, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Potes d'Outes by Tossequin Tear Writer. Nous sommes le 6 août et donc bienvenue dans ce sixième épisode bah, des épisodes d'été. Aujourd'hui on va parler d'un concept qui s'appelle écrire avec la porte ouverte ou la porte fermée. Et donc c'est un sujet qui a été euh, amené par euh, Stephen King qu'on ne présente plus. Et je veux plus particulièrement parler du fait de perdre son manuscrit, avoir l'impression que les personnages ou que l'histoire appartient trop aux autres et se mettre trop la pression du coup euh, en partageant de trop son roman avant qu'il ne soit publié. Donc le concept d'écrire la porte fermée, bon, il y a visiblement euh, plusieurs euh, compréhensions. Quand on cherche les, les conseils de lecture de Stephen King sur Internet, on va trouver... Oui, une explication qui n'est pas du tout une métaphore. C'est-à-dire, quand vous écrivez, il faut fermer la porte. Donc, en gros, isolez-vous et montrez aux gens que vous êtes sérieux, que vous fermez la porte, que c'est votre moment pour vous, comme si vous prenez un rendez-vous avec vous-même, comme si vous aviez un rendez-vous Zoom, par exemple. Et pendant cette session d'écriture, personne ne doit vous déranger. La citation complète, c'est « écrivez porte fermée et corrigez porte ouverte ». Pour dire que, effectivement, quand vous corrigez, vous pouvez, non pas que vous devez être, euh... Distrait, mais en gros, les, les avis des autres euh, sont les bienvenus. Mais donc, l'autre compréhension et explication, euh, qui est donc un peu plus euh, métaphorique, c'est surtout, mettez-vous dans votre bulle et écrivez pour vous, ne partagez rien ou presque rien, et par contre, une fois que l'histoire sera terminée, vous pourrez faire lire aux autres pour corriger et euh, avoir leurs avis. Et ça, c'est une erreur que je viens de faire. Euh, avec mon manuscrit actuel. Euh, je vous en parle depuis le début des potes d'août, c'est la théorie des baguettes. Et je pense que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Faut savoir que euh, je me suis inscrite sur Bookstagram. Donc Bookstagram, euh, j'adore France, oui. FR. <laughs> je sais plus si c'était... Ouais, ça devait être 2020, 2021 Je suis plus sûre. Avant, j'y étais euh, en coup de vent. C'est-à-dire que je ne postais rien, mais euh, j'ai créé le, le compte où... Re... Changer le pseudo de mon compte vers Maeva Catalano euh, quand j'ai décidé vraiment de devenir plus professionnel avec l'auto-édition et passer des plateformes sur lesquelles j'étais, comme Wattpad, etc. Donc, pendant un j'avais un, un pseudo qui était Maeva écrit et je l'ai changé ensuite. Et donc, bah les réseaux sociaux c'est formidable parce qu'on rencontre plein de gens et vous ne seriez pas ici à m'écouter sans les réseaux sociaux. J'aurais pas découvert des collègues extraordinaires, il y a sans doute plein d'opportunités qui ne m'auraient pas été permises ou offertes sans les réseaux sociaux. Mais par contre, bah, voilà, un réseau social, le but c'est quand même de partager... Je vais pas trop m'attarder sur tout ce qui est euh, doute, euh, voir les gens écrire certaines choses, et donc se poser des questions sur euh, ce qu'on écrit, est-ce que c'est bien, <laughs> tout simplement, est-ce que le, le sujet euh, va intéresser les gens, etc. Mais plutôt le fait de se sentir presque obligé de partager des choses, que ce soit en story, en post, etc., pour euh, bah, montrer qu'on écrit, montrer qu'on est en train de produire quelque chose, qu'on est productif, donc, parce que c'est vraiment la course à la productivité entre. J'ai écrit euh, 50 romans cette année, j'en ai publié euh, 43 euh, en maison d'édition et 19 euh, en auto-édition. Vous avez sans doute vu passer beaucoup de ces bilans, on a tendance beaucoup à, à se comparer tout simplement, même si euh, bah, on n'a pas tous euh, la même vie professionnelle, personnelle, de famille, etc. Et on n'est pas tous à, à la même échelle. Et aussi, je pense que. Ça peut venir d'un point de vue pour s'affirmer et c'est peut-être paradoxal un peu mais pour éviter le plagiat ou pour montrer qu'on bûche sur une idée depuis très très longtemps. J'avais parlé un petit peu de plagiat et de bah, comme quoi parfois il y a de grandes 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 coïncidences qu'on peut pas avoir une idée originale et qu'il y a souvent des choses qui s'entrecoupent. Dans un épisode des Podmas qui s'appelait « Le jour où j'ai plagié » où j'ai eu un malentendu voilà, avec une collègue autrice et même plus dernièrement j'étais tombée sur le pitch euh, d'une romance young adulte qui ressemble comme deux gouttes d'eau, pardon, euh, en tout cas à première vue à mon manuscrit actuel euh, et finalement en fait qu'on s'y intéresse de plus près ce n'est pas le cas. Mais euh, ça m'a fait beaucoup peur quand j'ai vu le, le résumé passer. Et donc, c'est vrai que parfois, quand on poste sur les réseaux sociaux, c'est daté, notamment sur les posts ou les stories à la une. Parce qu'une story euh, lambda, on va dire, bah, passer les 24 heures, euh, voilà. Et donc, euh, si on nous dit... Euh... Ouais, mais attends, cette histoire me rappelle ça, ça, ça. Oui, bah regarde, moi j'avais posté euh, tel truc en 2020 ou euh, tel titre en 2022 avant que tel livre sorte. Enfin, voilà. Donc il y a un petit peu le, le côté s'affirmer et assurer ses arrières, ce que je peux comprendre. Et aussi, bah, l'envie de partager avec des gens qu'on aime bien, sur un sujet qu'on aime bien. Et je vais peut-être parler de mes red flags d'autrice dans un autre épisode. D'ailleurs, bah, du coup, je vous prends à partie. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc pas seulement sur le compte de Toss a Coin to a Writer, mais sur Maiva Catalano, et que vous me connaissez un petit peu, à votre avis, quels sont mes red flags, donc mes drapeaux rouges littéralement, mes défauts d'autrice Moi, je sais que, par exemple, je suis une autrice obsessionnelle. Je m'emballe énormément, et pour moi, c'est tout ou rien. Mon roman me consume pendant un certain temps, mais dès que je le lâche, c'est très compliqué de revenir dessus. Et euh, d'autant plus, bah, si mon cerveau euh, vagabonde vers d'autres idées et euh, que je reste... Enfin, euh, je suis déjà dans trois manuscrits là. Je prends des notes sur euh, les années 2030 déjà. D'accord <laughs> Et c'est vrai que quand j'ai commencé... Commencer Bookstar, je l'étais, mais je le montrais moins parce que, par exemple, j'ai eu toute une partie réécriture avec mon, ma première saga euh, fantastique, *Lionheart*, et donc euh, bah, cette histoire avait déjà été partagée avec le public, mais là, je réécrivais, euh, j'ai fait énormément de changements. Il y avait le côté bêta lecteur, bêta actrice. En vrai, je vais les genrer au féminin puisque je suis entourée que d'une équipe de femmes, donc euh, voilà. Bref. Mais ça venait un peu plus tard. Quand j'ai fait *Secret Love Song*, c'était donc ma jonction, on va dire, euh, vers le la romance. et J'ai eu énormément peur et je savais pas ce que ce roman allait donner. Et je l'ai, euh, attention pour les hémétophobes, euh, mais il y a pas d'autres images, bah, bah, vomi ce roman ou accouché, si vous voulez, en un mois et une semaine, j'écrivais un chapitre par jour parce qu'à ce moment-là j'étais au chômage je sortais d'études j'étais entre deux euh, j'attendais de partir aux États-Unis euh, donc je pouvais me permettre euh, de prendre un mois pour euh, que me reposer et écrire et donc j'ai eu un, un rythme assez effréné et après avoir pris le temps et un peu couvé mes personnages je les ai partagés à mes bêta lectrices ou même alpha lectrices, et ensuite après, bah, c'est devenu le roman que, que, vous connaissez, qui est édité depuis 2022. Pour Pièce, I Still Hate You, qui avait un nom de code prohibido. Un peu pareil, j'ai commencé à plus vous en parler sur les réseaux sociaux, mais voilà. Que des petits, des petits messages, par-ci par-là. Une ou deux stories, j'avais beaucoup moins d'abonnés aussi. Mais entre temps, si, si vous êtes là depuis euh, ce, enfin, ça, date quand même du coup parce que je l'ai terminé euh... ouais en 2022 euh, je l'ai commencé en 2021 pardon j'ai dû faire de grandes pauses pour euh, voilà l'édition etc j'ai repris en 2022 à l'été ben, entre temps, j'avais recommencé un autre roman qui est un vieux vieux projet, qui est une dystopie. Et je l'avais beaucoup partagé sur les réseaux sociaux et mon plan est fait, etc. Mais en fait, c'était n'était pas le bon moment. Et je me suis sentie trop bête parce que j'avais trop vendu ou commencé à vendre le début de ma rédaction. Je l'avais même mis en story à la une, etc. J'avais fait des posts, présenté les personnages. Et en fait, euh, ce roman n'est toujours pas terminé. J'ai écrit deux chapitres que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour moi d'écrire cette histoire. Et du coup, j'ai eu du mal parce que ben, j'avais commencé « P.S.S.T.R.H.U. » en euh, écriture récré quoi vraiment un, un second euh, projet justement j'en parlais pas trop trop parce que je voulais pas mélanger les, les deux projets sur les réseaux sociaux et finalement c'est lui qui a pris le dessus et voilà et pour euh, la théorie des baguettes il a commencé vraiment sous la lumière on va dire parce que je l'ai commencé pendant le challenge euh, Molanta et donc on était en équipe on devait écrire tous les jours pour essayer au bout de 15 jours d'écrire au moins 25 000 mots et il me semble que c'était ça hein, le but je sais plus non où c'était c'est moi qui écris écrit 25 000 mots mais le but c'était d'avoir euh, on se mettait un objectif, bref, là n'est pas la question. Et donc dès le début, il y avait différents challenges sur les réseaux sociaux, pas que en écriture. Pour marquer des points, bah, j'ai dû présenter les personnages, pitcher mon roman, euh, faire un reel avec l'ambiance, et c'est trop cool, parce que qu'en équipe en plus, ça nous permettait de voir ce qu'on écrivait et tout. Mais euh, ça m'a donné euh, l'entrain de vraiment partager le roman, même en story, quand je finissais un, j'allais dire épisode, mais c'est parce que mes chapitres s'appellent des épisodes, je reviendrai sur ça. Un jour, dès que je finissais un chapitre, ben, je postais une story avec euh, le mood du chapitre, une musique, etc. Ce que pour Secret Love Song, je faisais à la correction et surtout avant, juste avant la sortie. Et donc, bon, pareil pour euh, plein de raisons euh, personnelles, professionnelles et autres. Euh, ça a été en, en de scie, je me suis arrêtée côté santé mentale aussi. Donc, je me suis arrêtée maintes maintes fois sur ce manuscrit. Et surtout que, jusqu'à dernièrement, je n'avais pas envie de le reprendre. Il me reste moins de cinq chapitres. Vraisemblablement, ce... Enfin, en réalité, j'aurais pu finir ce roman début d'année. On est en août, ça fait huit mois. Je l'ai repoussé pour plein de raisons. Ok, on off, ok, je prends mon temps, ok, je relis... La moitié du roman est poli euh, propre euh, d'une manière parce que je l'ai relu, relu, recorrigé. Donc ça, c'est pas, c'est bien, ça m'avance sur la, la correction qui va être euh, beaucoup plus euh, légère. Mais voilà. Et là, en tout cas, depuis mai, <laughs> depuis mai, j'aurais pu le terminer dix fois. Et pourtant, je n'en avais pas envie. J'avais pas envie d'ouvrir mon, mon livre alors qu'avant, j'écrivais euh, tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Et en fait, euh, bah, j'avais pas envie de vous dire euh, que j'écrivais sur ça parce que vous êtes je vais pas dire beaucoup. Hein. <laughs> je suis pas Britney Spears non plus, mais vous êtes quand même quelques-uns à me demander des nouvelles euh, de ce roman. Hein. Où est-ce que ça en est Ah, mais je me rappelle, tu parlais de ce manuscrit, etc. Et c'est trop cool Ça veut dire que vous faites attention et que je poste pas dans le vent. Mais ça m'a mis une pression dingue, alors que je sais que vous, vous voyez pas mal. Mais je sais pas parce que j'ai l'impression que du coup, ce roman est attendu. Encore une fois, c'est pas le, le, le prochain prix Goncourt, mais voilà. C'est pour ça que je tire vraiment mon chapeau aux, aux auteurs-autrices qui signent un livre sur synopsie ou qui a une suite qui est très 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 attendue parce que je pense que ça me bloquerait totalement. Et donc j'avais un problème non pas de page blanche parce que ben, je sais ce que je veux écrire, etc. Mais euh, de doute, de doute, de je me mets la pression parce que j'ai dé... déjà beaucoup partagé le livre sur les réseaux sociaux. On me demande où j'en suis et pas que sur les réseaux sociaux parce que j'ai mon cercle voilà, d'alpha de... lectrice et... et correctrice. Au début je m'étais dit, bon bah ben, t'es bloqué, du coup quand tu commences une partie ou que tu finis une partie, tu leur envoies, donc je leur envoyais une partie 1, une partie 2, peut-être même une partie 3. Ce qui fait qu'elles ont lu entre 60 et 70% du roman, et bien évidemment elles ont envie de savoir la suite, donc elles m'ont relancé maintes fois. Et à chaque fois qu'elles m'envoyaient un message en mode euh, gentil coup de pied aux fesses, parce que normal, des fois euh, c'est nécessaire d'avoir des amis qui, euh, pas nous pressent, mais nous disent bon, bah déconne pas quoi, là t'as as toutes les clés en main, il faut, il faut y aller, bah, j'avais un, un, un système d'alarme en fait qui s'allumait, et c'est vraiment le problème de la procrastination. Hein. Procrastination active déjà. Parce que tu vas tout faire sauf ça, donc t'as as le temps de faire dix fois ton ménage. Tu fais tout ce que tu veux dans ta journée, même juste scroller pour pas écrire. Et procrastination, tout court. Ouais, je pense que c'est un petit peu de vouloir que tout soit parfait et rendre justice aussi hein, aux personnages. J'en avais parlé dans un post qui s'appelle, je crois que le le texte sur l'image, c'est toujours en ligne sur mon compte, Maeva Catalano. C'est du style, euh, j'ai pas envie putain ou j'ai la flamme putain, où j'explique que j'aime tellement mes personnages que et je pense qu'il y a une vraie histoire à offrir, comme tout le monde, hein, il faut croire en son histoire, mais j'ai peur de pas leur rendre justice, de pas rendre justice aux personnes qui attendent, quoi. Et donc, tout ça, ça m'a amené à une certaine réflexion, et à me rendre compte que j'ai l'impression que mon roman ne m'appartient pas, ou ne m'appartenait plus, maintenant ça va mieux, il n'était pas à moi, il était plus à moi. J'en étais plus maître, j'étais plus la réalisatrice, comme je vous explique depuis quelques jours, devant son script avec le film qu'elle va réaliser, comme si quelqu'un était en train de prendre le dessus et de changer la vision, comme si la bande-annonce était déjà diffusée euh, sur les réseaux sociaux et partout dans le monde sans que euh, j'ai fini de monter le film. Et donc euh, j'avais peur que le public soit totalement déçu, et moi la première. Voilà, ça a été compliqué de s'y remettre. Franchement, j'ai dû me forcer énormément. Et une fois que je me remets dans ma bulle, une fois que je ferme métaphoriquement et physiquement la porte, bah ça va mieux et je retrouve mes personnages et j'ai leur point de vue et, et ça roule, etc. Mais euh, il mais y a beaucoup de, de, d'arrêts. quoi. Alors qu'avant, j'écrivais beaucoup d'une traite et c'est pas bon, en tout cas pour moi, d'écrire à fond pendant deux semaines, s'arrêter trois semaines, reprendre. Enfin, je perds le rythme et c'est un petit peu euh, compliqué. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là. Et en vrai, j'aurais peut-être même pas tant de conseils. Juste... Bah, ce que j'ai fait à la limite, c'est que j'ai arrêté de parler de la rédaction en story publique et j'ai créé un plus petit cercle, vous savez c'est le cercle amis proche sur Insta avec le rond vert où euh, pour l'instant j'ai une trentaine de personnes qui étaient intéressées donc euh, de d'avoir un petit peu le... de savoir comment ça a évolué et ça met moins la pression de savoir que sur mes environ 1000 abonnés, il bah, y a qu'une trentaine de personnes qui vont voir quand je poste une story du style bah aujourd'hui j'ai écrit tant de mots ou il s'est passé telle scène et j'ai mis telle euh, telle musique, etc. Ouais, c'est à peu près tout, donc je vous... Je... En fait, c'est que j'arrive pas à me couper totalement des réseaux sociaux et de pas en parler, puisqu'il y a aussi l'aspect gratification, et le fait de montrer, hé hey, les gars, <laughs> ouais, je sais que ça fait bientôt deux ans que je suis sur ce manuscrit, mais vous inquiétez pas, j'avance, à pas de fourmis, mais j'avance. Ouais, c'est compliqué de se, de se défaire de tout ça, mais en tout cas j'ai appris de cette expérience, et j'adore teaser J'adore parce que j'ai tellement d'idées en tête aussi. J'ai une story à la une qui s'appelle Teasing où je jette juste des mots-clés avec une musique et quelques images Pinterest parce que pff, sur les dix prochaines années, je sais plus ou moins ce que je vais écrire. Si je vous dis euh, ne serait-ce que euh, pirate féminisme, il peut avoir 40 000 histoires avec ces mots-clés. Mais vous n'êtes pas dans ma tête, donc vous pouvez pas savoir. Et donc ça encore, ça me permet d'avoir cette porte fermée et euh, d'avoir cette distance. Et donc euh, je vais essayer de, moi ouais, de vraiment apprendre euh, et de garder cette leçon et, et de pas réitérer mes mes erreurs sur mes prochains minutes. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Comme d'habitude, à demain. Hydratez-vous bien. Courage pour la chaleur et bon été. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des potes doute de Sosa Coin to your writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!